Bonjour, bienvenue sur Math Easy. Aujourd'hui, je vous propose cet exercice de la classe de seconde. C'est un exercice intéressant. On a trois questions dans cet exercice. Dans la première question, on nous demande de montrer cette inégalité. Dans la deuxième question, on nous demande, à partir de cette inégalité, de prouver ce résultat-là. Et donc, à partir de ce résultat, donc de la deuxième question, on va essayer de montrer que ce produit est plus petit que 1 divisé par racine carrée de 2n plus 1, quel que soit n plus grand ou égal à 1. Alors, c'est parti. La première question, on nous demande de prouver que pour n plus grand ou égal à 1, qu'on a racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n plus 1 est plus petit que 2n. Ici, on compare un nombre par rapport à un autre. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment comparer deux nombres entre eux. Donc ici, je vais utiliser la technique où je vais comparer les carrés. Donc, la première question, je prends soit n qui appartient à n étoiles, donc c'est-à-dire un entier non nul. Montrons que racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n plus 1 est plus petit strictement que 2n. Je vous fais remarquer que lorsque n est plus grand ou égal à 1, alors 2n est plus grand ou égal à 2, et 2n moins 1 est plus grand ou égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc 2n moins 1 est plus grand que 1, donc c'est un entier, c'est un nombre qui est positif. La racine carrée existe donc. 2n plus 1, c'est pareil parce que c'est la somme de deux nombres positifs. Donc, il est positif. Très bien, allons-y, on va comparer les carrés. Donc, je calcule racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n plus 1, le tout au carré. Ça nous donne, donc ici, je vais appliquer la formule a fois b, le tout au carré est égal à a au carré multiplié par b au carré. Ce n'est pas compliqué, ça nous donne racine carrée de 2n moins 1 au carré, multiplié par racine carrée de 2n plus 1 au carré. Donc ceci nous donne 2n moins 1, facteur de 2n plus 1. Pourquoi? Parce que la racine carrée de a au carré est égale à a. Ici, a est positif, je l'ai dit tantôt. Très bien, donc ceci nous donne 2n au carré moins 1 au carré. C'est une identité remarquable parce que j'ai a moins b, facteur de a plus b. Donc ça me donne a au carré moins b au carré. Très bien, donc tout ceci me donne 4m au carré moins 1. Ça c'était la partie qui se trouvait ici à gauche. Donc j'ai calculé au carré racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2, 2n plus 1. Très bien, maintenant on va calculer la partie qui se trouve à droite au carré. Donc ça nous donne 2n au carré est égal à 4n au carré. Très bien, il ne nous reste plus qu'à comparer cette partie et celle-là. On a pour n appartenant à grand N étoile, 4n au carré moins 1 est plus petit strictement que 4n au carré. Ceci est une évidence. Pourquoi? Parce que là, j'ai 4n au carré que je retrouve là. Et là, c'est la même quantité, sauf que sur la quantité de gauche, j'ai enlevé moins 1. Donc, quand on enlève à une quantité moins 1, elle reste plus petite que la quantité elle-même. Si vous voulez aussi une démonstration plus technique, vous pouvez faire moins 1 est strictement négatif. Donc, si j'ajoute ici 4n carré, je vais ajouter ici 4n carré. Et donc, ici, ça me donne 4n carré. Et là, c'est du 4n carré moins 1 qui est plus petit que 4n au carré. Très bien. Donc, ça, c'est une évidence. Alors, et de là, je peux dire que racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n plus 1, le tout au carré, est donc plus petit que 2n le tout au carré. Ce qui montre que, donc, racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n plus 1 est plus petit que 2n. Et ceci pour tout n plus grand ou égal à 1. Okay?
Très bien. Donc, je vais prendre ce résultat que je vais encadrer comme cela. Parfait. Passons à la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous demande d'en déduire, c'est-à-dire on va partir de ce résultat pour obtenir ce résultat-là. 2n moins 1 divisé par 2n est plus petit que racine carrée de 2n moins 1 divisé par 2n plus 1. La racine carrée de 2n plus 1. Très bien. Alors, en partant de ce résultat-là, on va appliquer de simples règles de calcul, telles que si a est plus petit que b et que c est positif strictement, donc si je fais a divisé par c, ça reste plus petit que b divisé par c. Donc c'est une règle de calcul bien connue, c'est ce qu'on va utiliser ici. Okay? Donc les démonstrations en classe de seconde, on ne vous demande qu'à appliquer les règles de calcul. Donc on va partir de là-bas. Donc, dans la deuxième question, donc soit n dans n étoiles. On a, donc d'après la première question, racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n plus 1 est plus petit que 2n. Donc ceci veut dire que, donc, racine carrée de 2n moins 1 divisé par 2n multiplié par racine carrée de 2n plus 1 est plus petit que 2n divisé par 2n. Donc j'ai divisé par 2n de chaque côté. Ici, je vous fais remarquer que 2n est strictement positif vu que n est plus grand strictement ou égal à 1. Est plus grand ou égal à 1. Très bien, donc continuons. Ce qui nous donne que racine carrée de 2n moins 1 divisé par 2n multiplié par racine carrée de 2n plus 1 est donc plus petit que 1. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais diviser de chaque côté, donc à gauche par racine carrée de 2n plus 1, et à droite par racine carrée de 2n plus 1. Parce que dans cette inégalité, de ce côté-là, on voit bien un dénominateur sous la forme de racine carrée de 2n plus 1. Très bien, donc allons-y. Donc là, j'ai racine carrée de 2n moins 1 divisé par 2n. Multiplié par racine carrée de 2n plus 1, divisé par racine carrée de 2n plus 1, est plus petit que 1 divisé par racine carrée de 2n plus 1. Toujours la même règle, si a est plus petit que b, et si j'ai c est strictement positif, donc a sur c est plus petit que b sur c. On a appliqué cette même règle, donc là et là. OK? Très bien. Donc on va continuer. Ceci nous donne que la racine carrée de 2n moins 1 divisé par 2n est plus petit que 1 sur la racine carrée de 2n plus 1. Donc on a cette partie. Donc là, pour obtenir le résultat final, je vais appliquer la formule suivante. Si j'ai a plus petit que b et que c est strictement positif, alors a fois c est plus petit que b fois c. Donc c'est une règle aussi simple qu'on va appliquer ici. Le c, on va le prendre comme étant ce nombre qui est aussi strictement positif. Okay? Donc là, je peux dire que donc racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n moins 1, le tout divisé par 2n est plus petit que racine carrée de 2n moins 1 divisé par racine carrée de 2n plus 1. Et là, racine carrée de 2n moins 1 fois racine carrée de 2n moins 1, c'est racine carrée de 2n moins 1, le tout au carré, et donc c'est 2n moins 1. Donc là, j'obtiens 2n moins 1 divisé par 2n est plus petit que racine carrée de 2n moins 1 divisé par racine carrée de 2n plus 1. Alors, donc je vais encadrer ce résultat, et donc j'ai fini avec la deuxième question. Pour la troisième question, on nous demande de montrer que ce produit est strictement plus petit que cette quantité. Donc, on va forcément se baser sur cette inégalité. Donc, ce que nous allons faire, on va prendre cette inégalité qu'on va écrire avec un entier k qui est plus grand ou égal à 1. C'est pareil, vu que c'est vrai pour un entier non nul n, ça peut être vrai pour tout entier non nul plus grand ou égal à 1. Une fois que nous aurons fait cette action, on va remplacer k successivement par 1, 2, 3 jusqu'à n avec n, 1 entier, plus grand ou égal à 1.
Et nous allons voir que nous allons obtenir exactement ces fractions-là, successivement. OK? Nous allons faire un produit, et par produit télescopique, c'est-à-dire il y aura des simplifications qui vont se faire sur le membre de droite. OK? Donc, je vous montre tout cela. Donc, je dis pour n dans grand N, on a racine 2n moins 1 sur 2n est plus petit que racine carrée de 2n moins 1 sur racine carrée de 2n plus 1. Donc, pour k supérieur ou égal à 1, on a 2k moins 1 sur 2k est plus petit que racine carrée de 2k moins 1 divisé par racine carrée de 2k plus 1. Alors, ce que nous allons faire, on va remplacer successivement k par 1, par 2, par 3 dans cette inégalité. OK? Et regardez ce qu'on obtient. Donc ça, je vais l'écrire ici pour avoir de l'espace. Donc pour k égale 1, j'ai 2 fois 1 moins 1 divisé par 2 fois 1 qui est plus petit que racine carrée de 2 fois 1 moins 1 divisé par racine carrée de 2 fois 1 plus 1. Donc après, je ne vais pas l'écrire tout en détail comme ça. Ceci me donne que 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1 divisé par 2 plus petit que racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 3. Pour k est égal à 2, j'ai 3 divisé par 4 plus petit que racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 5. Et pour k est égal à 3, on a 5 divisé par 6 plus petit que racine carrée de 5 divisé par racine carrée de 7, etc., etc., jusqu'à k est égal à n. J'ai donc 2n moins 1 sur 2n plus petit que racine carrée de 2n moins 1 divisé par racine carrée de 2n plus 1. Très bien. Maintenant, en faisant le produit membre à membre, on va faire le produit de tout ce qui est à gauche. Donc, on aura 1 demi fois 3 quarts fois 5 sixièmes fois, etc., fois 2n moins 1. Et ici, à droite, on aura racine carrée de 1 sur racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 sur racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 sur racine carrée de 7, etc., jusqu'à racine carrée de 2n moins 1 multiplié par, divisé par racine carrée de 2n plus 1. Donc, on va l'écrire ici. On obtient donc 1 demi multiplié par 3 quarts multiplié par 5 sixièmes multiplié par tatata multiplié par 2n moins 1 divisé par 2n plus petit strictement que racine carrée de 1, donc c'est 1 sur racine carrée de 3, fois racine carrée de 3 sur racine carrée de 5, fois racine carrée de 5 sur racine carrée de 7, fois tac tac tac, fois racine carrée de 2n moins 1 divisé par racine carrée de 2n plus 1. Donc ici, on va voir qu'il y aura des simplifications ici à droite. Par exemple, racine carrée de 3 va se simplifier avec celui-là, racine carrée de 5 avec celui-là. Donc, le prochain numérateur va se simplifier avec le précédent dénominateur. Donc, ici, il y aura une racine carrée de 7 qui va se simplifier avec cette racine carrée de 7. Et de la même manière, racine carrée de 2n moins 1 va se simplifier avec le racine carrée de 2n moins 1 qui le précède au dénominateur. Et donc, en fin de compte, dans ce produit, il ne me restera qu'au numérateur que 1 ici. Et au dénominateur, il me restera ici racine carrée de 2n plus 1. Donc, ce qui me donne que 1 demi multiplié par 3 quarts multiplié par 5 sixièmes multiplié par tatata multiplié par 2n moins 1 divisé par 2n est plus petit que 1 divisé par racine carrée de 2n plus 1. Et ceci pour tout entier naturel n plus grand ou égal à 1, où n appartient à grand N étoile. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube. Merci. Dans Math, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.